C'est bon, il est 3h du matin. On va pouvoir faire l'expérience. Esteban, réveille-toi. Mais je dors pas. Je t'ai dit de pas faire de bruit. Oui, pardon. Sinon Peppa Pig va se réveiller, il va tout voir. T'as vu l'heure, il est 3h du matin. Ouais, attends, j'ai besoin de mon téléphone. Normalement, ça fait hyper longtemps que j'attends ça. Là, on est le 31 octobre, c'est la nuit d'Halloween. On attend ça depuis un an. Il faut vraiment qu'on réussisse à faire le rituel, ok? Ouais. Allez, c'est parti. Oh là là, je suis trop contente. Ça, tu dois surtout pas y toucher. Non, non. C'est un paquet d'allumettes. Oui. Je vais devoir craquer une allumette pour faire une flamme, souffler dessus, et je vais devoir dire en face du miroir. Attends, d'ailleurs, je vais le prendre. Hop. En face du miroir? Ouais, je vais devoir le prendre. Attends, il faut que je le pose à un endroit. Pose-le, ouais, voilà, ici, c'est très bien. Attends, par contre, surtout, ne te mets pas devant le miroir. Non, non, non. Esprit d'Halloween. Allez, c'est parti. Esprit d'Halloween, es-tu là? Esprit d'Halloween, es-tu là? Esprit d'Halloween, es-tu là? T'as entendu les éclairs? Mais c'est vrai! T'as entendu? Quelle fois qu'on avait fini de le dire, il y a eu des... Attends, non, non, ça peut pas être un hasard, là. Non, non, mais c'est pas possible, là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Quoi? T'as vu quelque chose? Ouais, c'est sûr. Non. Il y a quelque chose qui est passé... derrière la porte, là. Sérieux? C'est sûr et certain. Oh, attends, mais moi aussi, je vais me voir une ombre blanche. Je vais regarder comment on peut faire fuir l'esprit d'Halloween. J'ai jamais dû faire ça. Ah, mais mon téléphone marche plus. Tout est hanté maintenant. Bon, écoute, on va tout ranger. Ouais, ouais. Attends, on va remettre le miroir. Peut-être que si on fait semblant de rien, peut-être qu'il va... Va dormir. Ok, ok. Il faut surtout pas que Peppa Pig se réveille. Mais reste là, parce qu'imagine, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Encore un éclair. Ah, tu sens cette odeur en plus? Ça sent le vieux. Ça sent l'allumette surtout. Ouais, le... Ça sent... Oh, non, non. Si on a déclenché quelque chose qu'il aurait pas fallu réveiller, c'est sûr. Au pire, Fais semblant de dormir. Toi aussi, fais semblant de dormir. Ouais, je pars. Lyrose, Esteban, hein, c'est quoi tous ces bruits là? Hey, il est 3h du matin encore une fois là. Et c'est quoi cette habitude de nous réveiller, de me réveiller à 3h du matin là? Mais non, mais je sais pas trop comment t'expliquer. Tout à l'heure là, des éclairs, j'entends des broum broum là. Je sais pas. Ouais. Hein? Non, c'est rien. Hey, Lyrose, non, non, des allumettes ici? Non, mais c'est rien. Elles étaient dans la cuisine. Oui, 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 je sais. Qu'est-ce que ça fait sur ta table? Tu veux vraiment que je t'explique? Bah oui, explique-moi. Normalement, des allumettes, c'est pas dans ta chambre. Hein. Bon, on est le soir d'Halloween et avec Esteban, on a voulu tenter une expérience. Attends, c'est quoi cette histoire? Devant le miroir, en gros, il fallait allumer une allumette et... N'importe quoi, un sort, on va dire. Et du coup... Attends, c'est quoi? Et du coup, je pense que l'esprit est vraiment venu et voilà. Bon, allez, c'est pas pour aller dormir, vas-y. Attends, non, non, Galier. T'as pas froid tout d'un coup là? Bah si, un petit peu, Bon, clair, là, dès qu'on en reparle... Ça bouge. Oh non, qu'est-ce que vous avez fait comme expérience? Mais non, non, non. Bon, écoute, il faut aller retourner dormir parce que dès qu'on en reparle... C'est quoi ça? Bon, dès qu'on en reparle, ça revient. Donc il faut vraiment dormir là, et c'est tout. Attends, ça tremble. Bon, allez, à demain. Attends, la maison, elle tremble. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Je sais pas, bon... Il faut aller retourner, il faut dormir là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu dors, il va encore se passer quelque chose, Lyrose. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'esprit d'Halloween, encore une fois? Je vais essayer d'allumer une allumette. Alors, c'est quoi ces allumettes? En plus, ça ne marche pas. Allez. Mais il se passe rien. Qu'est-ce que c'était que ça? Mais c'est quoi? Lyrose, quoi? Excuse-moi, je crois que j'ai fait une bêtise, j'ai rallumé une allumette. T'es sérieux? Bah oui, je dis c'était... Mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais très bien que c'est ça qui a déclenché là, l'esprit ou je sais pas ce que c'est. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, il y a 2 secondes? Bah je sais pas, j'ai entendu un gros bruit, je me suis réveillée en sursaut. Et c'est pour ça alors? Attends, c'est quoi cette histoire? C'est vraiment n'importe quoi, le fait de craquer une allumette. Rose, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il y a encore eu des éclairs? Bah en fait, Peppa Pig il a rallumé une allumette. Mais il est fou ou quoi? Mais oui, sais pas pourquoi il a fait ça. Tu lui as expliqué au moins ce qui s'est passé? Bah ouais, mais apparemment il a pas fait exprès. Ah mais si, je suis sûr qu'il a fait exprès. On craque pas une allumette sans faire exprès, c'est n'importe quoi. Et même là, t'étais en train de dormir?
Bah, moi, je suis remontée, mais j'arrive pas à dormir, là. J'arrête pas d'entendre des bruits, encore. C'est horrible. Il faut qu'on trouve le contresort, faut qu'on trouve une solution. Bah, peut-être qu'il faut dire l'inverse dans le miroir et peut-être rallumer. Enfin, non, je pense pas. Il faut sortir de la maison. Sortir de la maison? Bah, oui, je pense qu'on n'a pas le choix. J'ai regardé sur Internet, j'ai essayé de retrouver où j'avais vu ce sort-là. Et ils disent, la seule solution de contrer le sort est de sortir de chez vous et d'aller rencontrer l'esprit d'Halloween. Bah, c'est ce qu'on va faire, hein. Bon, vas-y, sors discrètement, il faut pas qu'il nous voit. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Non. Bon, là, les amis, on est dehors. On est sortis à l'extérieur parce qu'il faut réaliser le plan. Apparemment, il faut aller à la rencontre de l'esprit d'Halloween. On essaye de le trouver, mais puisqu'on sait pas trop à quoi il ressemble, vas-y, on sait pas trop où aller. Avec toi. Ouais, c'est bon. Montre. J'ai pris ça. Des bonbons basiques. Bon. Et moi, j'ai le petit paquet d'allumettes comme ça. Donc normalement, c'est tout ce qu'il faut. En gros, ce qu'il va falloir faire, les amis, c'est le trouver. Donc aller dans l'endroit le plus sombre de la ville. Donc c'est par là, regardez. C'est ici, parce qu'il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien. Bon, avec la caméra, heureusement qu'on a une grosse lumière dessus. Ce qu'il faudra faire, c'est craquer une allumette, dire « Esprit d'Halloween, où es-tu ?» Normalement, il va apparaître et il faudra lui donner un bonbon pour qu'il arrête de faire n'importe quoi chez nous. Là, j'espère qu'il arrêtera parce que franchement... Vas-y, attends. Là, tiens la caméra. Ok. Mais range les bonbons dans ta poche. Allez, c'est parti. Bon, les amis, normalement, je suis à l'endroit le plus sombre. C'est censé être ici. Allez, c'est parti. Ah, les allumettes fonctionnent plus. Ah, mais c'est pas possible. Liros, comment je vais faire là? Je sais pas. Les allumettes peut-être fonctionnent que c'est plus. La malédiction, hein. Ah, mais elles se cassent. Ah, mais elles se cassent toutes. On va peut-être essayer à 100, non? Comment je vais faire? Elles sont toutes en train de se casser. Bah, essaye 100 peut-être. Allez. Ah, c'est bon. Ah, allez, c'est parti. Allez. Esprit d'Halloween, où es-tu? Esprit d'Halloween. Non. Comment ça? Oui, on t'a appelé. Donne la caméra. Ici, toi. Tenez, un bonbon, prenez un bonbon. Non, c'est tout le paquet. Oui, prenez tout le paquet, allez-y. Allez, au revoir. Venez ici, là. Oui, non, il n'y a pas de venez ici. Viens ici, toi. J'arrive pas à courir, là, je me suis pas entraîné. Allez, merci, je m'en vais. Oui, allez-en. Allez, à plus. Faites attention avec les allumettes. La prochaine fois, vous ne demanderez pas que des bonbons. Oui, évidemment. Les amis, surtout, on joue pas avec les allumettes. On joue aux allumettes que quand on est adulte. Et moi, j'ai 20 ans, voilà, vous savez. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a montré assez de choses. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner, à activer la cloche et surtout le plus important, cliquez sur une vidéo qui apparaît avant que l'X que vous attrape. Cliquez ou allez voir une autre vidéo sur la chaîne. À plus. Je veux encore des bonbons.